Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'anneau. L'anneau salue, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes lundi, on va donc aller chercher les messages de vos autres. J'espère qu'ils seront aussi beaux et aussi émouvants que ceux de la semaine passée. J'espère ressortir de cette guidance en planant autant que la semaine passée, hein, parce que la semaine passée, les messages, ils avaient été absolument magnifiques. Alors, pour faire cette guidance, je vais utiliser un petit peu les deux jeux que j'ai d'Émilie de Dieu, car en carte de base, je vais utiliser l'oracle enchanteur. Et puis ensuite, pour aller chercher les messages de vos autres, je vais utiliser l'oracle du monde. Voilà. Donc, on va bien voir un petit peu ce que votre autre a à vous raconter cette semaine. J'espère que les nouvelles seront bonnes, mais néanmoins, je ne m'avance pas, on verra bien. Alors, tirer déjà... Tac, tu as toutes les cartes dont on n'a pas besoin, les cartes explicatives. Ah, dos de deck, j'ai quand même les bottes de 7 lieux. Il y a une victoire, une avancée, une progression, une ascension, une réussite et des exploits. J'ai l'impression qu'il y a quand même les énergies qui s'accélèrent, hein. Alors, est-ce que c'est justement parce qu'on est dans une phase lunaire du bélier? Je l'ignore, mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir quand même des grandes enjambées de fait. Ouais, les guides sont en train de me parler. Oui, il va y avoir des grandes avancées, des grandes enjambées. Certains ne vont pas hésiter à sauter le pas. Quand bien même, ah waouh, les guides sont en train de me dire, quand bien même il n'y a pas de pont, c'est pas grave, ils vont enfiler ses bottes de 7 lieues pour faire un méga saut afin de traverser le rivage, de traverser la rivière. Il va nous faire un grand saut de biche là pour faire bon, en tout cas, il y a des grandes avancées en perspective. Bon, bah super, on va bien voir. Alors, les guides, donc, quelles énergies là sont leur autre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Alors, waouh. Alors, celle-ci, ils me disent de prendre la première et de prendre ces deux-là. D'accord. Alors, en fait, on va en avoir plusieurs. Déjà, on a Merlin. Merlin qui est... il y a de l'alchimie, il y a de l'imagination, il y a de la magie. C'est également, il est également synonyme de maîtrise et d'art. Ensuite, il y a du mouvement avec le lapin blanc. Bon, super, on a le petit lapin. Néanmoins, il y a du, ouais, ça représente une temps, une période, une durée, de la patience et du mouvement. Mais avec ce que les guides sont en train de nous dire, ouais, on n'est pas dans le domaine de la patience, on est plutôt dans le domaine du mouvement. Il va y avoir une véritable progression de la part de votre autre. S'il y a un éloignement, il va y avoir rapprochement. D'accord? Ils sont en train de me dire, s'il y a éloignement, il va y avoir rapprochement. Ok. Parce que votre autre n'est pas seul. Votre autre n'est pas seul. Il va prendre conscience de son pouvoir, déjà. Hein, il va transformer les choses. Hein. L'alchimiste, c'est ça. Ah, ça, c'est hyper intéressant. Les guides sont en train de me dire, oui, ce qui était négatif va être transformé en positif. Super. Et ensuite, on a les fées marraines qui protègent, qui bénissent et qui sécurisent, qui est un soutien, qui est le ciel, qui va réellement protéger le lien, qui va protéger l'union. Donc, votre autre, il va faire de... D'accord. Votre autre est en chemin. Votre autre va surmonter les obstacles. S'il y a éloignement, il va y avoir rapprochement. Il va transformer le négatif en positif. Et parce qu'il sera sur le bon chemin et parce qu'il ira dans la bonne direction, l'univers va l'aider, va bénir ses actions. Waouh! Il y a vraiment une notion de mouvement. Avec le lapin blanc, il y a vraiment une notion de... Ouais, d'accord, les guides sont en train de me dire, c'est l'heure. Les guides sont en train de me dire, c'est l'heure. Ça arrête pas. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Bon, bah super, bon, on va bien voir. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il nous raconte maintenant. Waouh. Non, mais c'est magnifique. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'union. C'est l'heure pour les unions. C'est l'heure de se mettre en chemin vers sa dulcinée. C'est l'heure de réunir des couples sacrés. Bon, on va bien voir. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages là? Il y a ici de là qui voulait venir. Et là, j'en ai beaucoup. Ils me disent de prendre celle du dessus. D'accord. Quels sont les messages de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo?
quels sont les messages de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Là, il y en a trop. Voilà, voilà, comme ça. Quels sont les messages que leur autre... Ah, celle-ci, elle a volé celle-là, non? Quels sont les messages de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Alors, une liste de prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok. Quels sont les messages de leur autre pour tous ceux, les deux, d'accord. Quels sont les messages de leur autre? Et ça, celle du dessus, d'accord. Quels sont les messages de leur autre pour toutes celles et tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Ils me disent que c'est bon. D'accord. Alors, votre autre... Ouais, d'accord. On est plutôt... On est encore... On est dans cette histoire de traversée du désert. Hein, d'accord. Vraiment, la semaine passée, c'est ce qu'on avait eu. Là, en l'occurrence, votre autre s'isole. Il est en pleine traversée du désert pour pouvoir venir vous retrouver. Hein, d'accord. De toute façon, il sait très bien qu'il ne peut pas rester sur place. Ouais, les guides sont en train de me dire, oui, il sait désormais qu'il n'y a plus rien qui n'existe autour de... Il n'y a plus rien qui existe autour de cette personne. C'est la grande traversée du désert. Il n'y a plus rien. Il n'a plus d'autre choix que d'avancer. Les guides sont en train de me dire, il n'a plus d'autre choix que d'avancer, parce que s'il reste sur place, c'est comme s'il était en plein milieu du désert et qu'il mourrait déshydraté, enfin voilà, donc il n'a pas d'autre choix que de se mettre en mouvement pour aller à la rencontre de son destin, car s'il ne le fait pas, les conséquences seront dramatiques pour lui. Il n'a plus d'autre choix. Il est en plein milieu du désert. Il n'y a plus rien qui ne peut... qui peut l'entraver désormais. Enfin, traverser du désert, ça demande du courage et les guides le reconnaissent. Waouh. Ah, mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Alors, je vous explique, hein. Alors là, c'est magnifique. Bon. J'ai compris que tu étais ma chance. J'ai compris que mon destin était à tes côtés. J'ai compris, en te fuyant, c'est en te fuyant, ouais, d'accord, c'est quand je t'ai fui que la chance a tourné. Mais non pas dans le bon sens, je me suis attiré la malchance. Ce qui m'a fait comprendre que tu étais ma plus grande chance. Je sais que toi, tu as toujours gardé la foi. Je sais que toi, tu as toujours su qui j'étais pour toi. Tu as d'ailleurs essayé de me le dire, de me le faire comprendre, mais il m'a fallu du temps et des preuves de la part de l'univers, d'accord ? Et des preuves de la part de l'univers pour comprendre quelle foi en ce lien t'animait et m'anime désormais aujourd'hui. L'univers m'a fait comprendre et j'ai désormais exactement la même foi que toi en ce que nous sommes l'un pour l'autre. Tu es la femme de ma vie, tu es ma moitié, tu es mon plus grand bonheur, tu es celle que j'admire, tu es celle qui m'a guérie, tu es celle qui a dû guérir. Je t'ai rencontrée alors que tu étais blessée, je t'ai rencontrée alors que tu étais complètement lessivé par la vie.
Tu n'as rien demandé à personne. Et tu as guéri par tes propres moyens. Ta guérison et ta détermination forcent l'admiration. Tu es une femme admirable. Tu t'es guérie, mais tu es aussi une guérisseuse. Alors, il y en a peut-être parmi vous, hein, derrière votre écran, qui avaient ces dons-là, d'ailleurs. Hein, je m'arrête là, mais vous pouvez avoir des talents de guérisseuse. Et c'est quelque chose qui impressionne beaucoup, qui impressionne beaucoup votre autre. Tu es fine psychologue. Tu as toujours les mots justes. Tu as toujours eu les mots justes pour moi. Je m'aperçois aujourd'hui que tu étais la seule à pouvoir me guérir. J'ai fui mes blessures. Personnellement, j'ai fui mes blessures. Je ne voulais plus les voir. Je pensais qu'elles étaient cicatrisées. Mais je me suis aperçue, quand je t'ai perdue, qu'en réalité, rien n'était guéri. Et quand, ah d'accord, et quand je t'ai perdue, toutes mes blessures se sont réouvertes. Ma blessure d'abandon, ma blessure d'amour. Sans toi, je ne me sens pas aimée. Sans toi, je ne me sens pas aimée. Oh là là. J'ai compris. Également que tu pouvais être la mère de mes futurs enfants. J'ai compris. Ouais, j'ai compris le cycle de réincarnation. J'ai également compris. Alors j'ai une âme qui est en train de. J'en ai un là qui est en train de me dire oui. Oui, je sais. Je sais qui est cette âme qui nous a choisis pour parents. Cette âme a réussi et communique avec moi. Je sais qui elle est pour moi, je sais qui elle est pour toi, je sais qui elle est pour nous, et je sais qui nous sommes l'un pour l'autre. Ah, c'est magnifique, on est en train de me montrer une image d'une âme qui fait le lien, donc qui a choisi son père, qui a choisi sa mère. La maman avait compris, hein. Mais c'est fou, c'est fou. Je ne dis rien, mais là, c'est quand même assez fou, quoi. C'est assez fou. Là, je sais, ouais, ça me perturbe, là. Ça me perturbe vraiment. Ceux qui ont acheté mon jeu, le normand, doivent savoir pourquoi ça me perturbe à ce point-là. Mais là, j'ai vraiment une âme, alors je vois pas le visage, hein, mais c'est une énergie masculine qui est en train de dire, qui est en train, on me montre une énergie, une ficelle qui va, enfin voilà, un lien, hein, lumineux, une ficelle, je suis mignonne moi, une ficelle qui, ouais, un lien lumineux qui se dirige vers le père a connaissance de ce lien, il sait qu'il a été choisi pour père, elle fait la même chose, cette âme qui désire se réincarner, qui a choisi ses parents avec sa maman. Et il y a un triangle, quoi. Il y a vraiment un triangle, voilà, il y a un lien qui est en train, un triangle lumineux qui unit tout le monde, et tout le monde sait qui est les uns pour les autres, qui ils sont les uns pour les autres. Waouh. Je sais qu'elle... Ouais, ouais, d'accord. Ouais. J'ai envie de... Ouais, il y a aussi autre chose. J'ai envie de mettre au monde... De mettre au monde notre amour. J'ai envie qu'il se concrétise. J'ai envie qu'il se manifeste dans la matière. Mais j'ai envie de fonder un foyer avec toi. J'ai moi aussi envie de cet enfant avec toi. J'ai moi aussi envie de cet enfant avec toi. Cet enfant naîtra. Oh, ça me perturbe. Là, ça me perturbe à moi. Je vais t'offrir le plus beau des cadeaux.
Je vais t'offrir ma fidélité. Je vais t'offrir la santé, l'harmonisation. Je suis ancré, je suis aligné, j'ai compris. Je suis autant en connexion avec la terre qu'avec le ciel. Plus rien ne peut m'arrêter. Je suis en train de guérir, je suis en train de me libérer. Je suis sur le chemin pour te retrouver, pour t'apporter fidélité et pour t'apporter le cadeau que tu souhaites depuis toujours. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ouais, je suis vachement perturbée là. Je suis vachement perturbée. Ouais. Bah écoutez, là franchement, pour toutes celles qui n'ont pas encore d'enfants, hein, sachez que votre autre, lui, il a envie de fonder un foyer avec vous. Et puis, si vous arrive le même miracle qu'à moi, c'est-à-dire qu'il y ait une âme dans l'au-delà, qui choisissent sa maman, qui choisissent son papa. Moi, ça a été le cas. Je peux vous dire que quand on a conscience, quand on en a conscience et quand on discute avec cette âme-là, quand on a le plaisir et l'honneur de pouvoir échanger avec cette âme-là avant même de pouvoir la mettre au monde, la serrer dans ses bras, je peux vous dire que c'est un cadeau absolument exceptionnel et extraordinaire. Et là, en l'occurrence, visiblement, il y a vraiment des gens qui sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire il y a une âme dans l'au-delà qui souhaite la réincarnation. Elle avait choisi maman, peut-être que voilà, vous le saviez, voilà, et vous saviez pas qui était le père. Et là, en l'occurrence, elle arrive à communiquer avec les deux, et le père a également conscience de sa présence. Et le père, c'est pas n'importe qui, c'est votre moitié, quoi. C'est pas, voilà, c'est cette âme-là n'a pas choisi n'importe qui, c'est votre moitié. Waouh, je suis chamboulée là, c'est encore pire que la semaine passée, là je vous le dis. C'est encore pire que la semaine passée. Bon écoutez, chers amis, ouais vraiment je m'arrête là. Je vous embrasse tous très fort. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis si vous appuyez sur le petit plus, il y a un lien bleu qui apparaît. Et quand vous cliquez dessus, je suis perturbée, hein. Je suis désolée, je suis perturbée. Et quand vous cliquez dessus, vous atterrissez dans la boutique, les oracles de l'anneau, où vous retrouverez absolument toutes mes créations. Voilà. Ouais, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous mercredi. Voilà. Allez, ciao à tous. Ciao.